La commission d'enquête peut faire ce travail. Il appelle dans des gens qui les pensaient, les bizarres appelés. Et moi, je laisse la commission faire ce travail en toute indépendance. Je pense qu'il faut la commission pour appeler encore les autres gens encore. Et s'il y a tout quand nous cause dans la profession légale, je peux suivre, je peux guetter. Qui ban du monde qui n'a appelé jusqu'à l'air et moi pas connais. Nous guettons un coup si la commission peut appeler encore les autres du monde. Il y a quand même la grosse révélation dans la commission, mais là c'est bien des jours où il s'agit de nous. Oui. Est-ce que vous suivez cette affaire? Est-ce que vous pensez que c'est un homme politique ou un autre? Qu'est-ce que vous pensez qu'il nous existe tel temps? Ben, connais, premièrement, nous pas encore arrivé à une stase que un jugement. Qui appelle une commission d'enquête, il peut faire une enquête. Il peut ramasser tout un témoignage et après, il peut faire une conclusion, il peut faire un rapport. Ce n'est qu'à la suite de ce rapport-là qu'il est là, moi, quand je gagne le rapport, après, il est là, je suis capable de faire un commentaire. Je ne suis pas capable de finir faire un commentaire par rapport. D'ailleurs, premièrement, ce qui me lit, c'est juste à travers le journal qui me lit. Je ne connais pas connaître exactement. Qui ban propos qui tenir là-bas. Et après, est-ce qu'il nous capable ziz pas un jugement là, le propos qui tenir par un dimoun. Il faut besoin de sa véracité, besoin de sa est-ce qui c'est ça la vérité qui peut causer. Moi mon pas capable prononcer moi là. Le mot campagne électorale. Regarde ça, le MSM, quand on peut cause financement de mon parti, c'est moi. Est-ce qu'il y a un qui élément pour dire qu'il y a un qui donne moi l'argent? Hein? Qui fait un financement, Pravin Jagnat? Oui, bien, regarde ça, je ne suis pas au courant de ce qui est capable d'arriver et ce qu'il peut dire. Et on fait l'enquête, on va guetter. Mais en tout cas, laisse-moi dire certaines affaires. Le peuple connaît ce combat qui m'a pu amener contre la mafia de la drogue. Le peuple trouve les résultats à travers une saisie de combien la drogue qui nous peut gagner aujourd'hui. Qui tu peux rentrer dans le pays depuis combien d'années? Mon cas dit aux autres, moi, je connais, à aujourd'hui, je connais, qui manière dans le passé, tu peux faire la drogue rentrer dans ce pays-là. Et combien de ravages tu peux avoir dans ce pays-là avec la drogue. Aujourd'hui, nous pouvons agir au combat du sans-pitié. Personne ne peut pas avoir aucune faveur. Attends. Je veux dire, qui est étranger? Qui est du monde qui est capable de me connaître? Ou bien qui est même du monde, je veux déjà dire, qui est capable de famille aussi avec moi? Tout ça n'a pas compté. Ce qui comptait, c'est que si jamais nous avons une preuve, qu'il y en a des gens qui sont impliqués dans le trafic de la drogue, moi en tant que Premier ministre, je peux agir. Et après, je ne peux pas attendre une commission d'enquête, moi. La commission d'enquête peut faire un travail, mais c'est qui une initiative qui me prend et un résultat qui me peut donner, mais le peuple peut trouver. Oui. Mais laisse-nous guetter. Vous connaissez, il y a une allégation qui nous fait à l'encontre de certains du monde. Mais Lili peut répondre. Moi, quand je gagne le rapport, quand je gagne une recommandation, c'est en fonction de ça qui m'ont pu faire un commentaire ou vous trouvez si moi n'ai pas agi comment vous pouvez agir. Bon, quand il a fait profiter de sa climat là pour dire qu'il y a une dégradation dans le pays. Ben, vous connaissez, moi très concerné quand il y a un crime de sa nature là. Et tout crime, bien sûr, il interpelle moi comme Premier ministre. Et évidemment, je donne une directive bien stricte à que la police fasse l'enquête très serrée parce qu'il nous besoin. Nous besoin connaître n'importe qui crime, hein. Pas si ça là, n'importe qui crime, nous besoin capable de réussir à gagner un crime
bande criminelle. Je ne connais pas combien, non, s'il y en a un ou plusieurs criminels. Mais ça fait moi beaucoup de peine qui bien sûr, me trouve un djimoun assassiné dans sa manière-là. Mais nous besoin parer à ce qui nous fait des sautes, qui ça bande crime-là. Un, nous réussit à gagner bande criminelle. Et deuxième, besoin faire des sautes qui nous a un système qui nous a prévenir contre ban crime. Vous avez remarqué qu'il y a des crimes, de plus en plus de jeunes qui sont impliqués dans ban crime, avec un dernier mot, je me dis, si ça peut être tout, est-ce que on dirait qu'il y a un rajeunissement dans ban crime? J'aurais dit, tout acte de banditisme, de criminalité, lui concerne moi, et bien sûr, nous avons l'attention pour ça, et le gouvernement, d'ailleurs, nous prend un certain nombre de ban initiatives, et il y a quelque chose qui nous peut faire, on dit, le Safe City Project, il y a dans un sens pour le combattre la criminalité, revoir nos systèmes au niveau de l'autorité, comment la police, comment la douane, mieux équipe autres, donne autres encore plus moyens, nous Coast Guard, tout ça là, et dans combien de mesures qui nous prend, le gouvernement nous prend, je ne vais pas le détailler tout ça là, mais je te connais. Donc, c'est pour capable bien sûr, combattre la criminalité en général. Et moi aussi, demande, tu allais là, comment on dit dans mon discours, la criminalité n'est pas seulement l'affaire du gouvernement et des institutions, mais aussi l'affaire de la population. Et moi, je demande qu'ils nous gagnent la collaboration et que tout le monde donne notre coup de main pour nous capables, bien sûr, combattre la criminalité. Il y a des gens qui peuvent même récolter la réintroduction de la peine de mort. La criminalité contre la drogue, trafiquant de drogue, même avant de drogue. Venez. Pourquoi je tout connais, moi j'ai l'opinion, là, moi, c'est ça, moi, l'opinion personnelle. Si c'est ça la solution. Vous connaissez, la peine de mort, n'est pas la solution. Mais moi, à titre personnel, moi j'ai ma conviction, là. Mais, bon, chacun est dans son opinion. Et dans mon gouvernement, il y a du monde pour et il y a du monde contre. Je respecte l'opinion de tout un chacun. Mais bon, Valéa Dizou, pas à l'agenda. Nous revient là. Nous avons été plus vivants, mais Valéa Dizou n'est pas à l'agenda. Mais seulement, nous n'avons pas besoin juste focaliser la peine de mort. Vous pensez, la loi, nous faisons code bizarre, bien sûr, améliorer la loi, parce qu'il n'est pas oublié. Nous gagnons la drogue synthétique qui rentre dans Maurice. Et qui nous a fait de sorte qu'il nous a suffisamment de réglementations pour nous capables de combattre ça aussi. Alors, il y a quelque chose au niveau de la loi même qui aussi, côté bizarre revoir, côté bizarre il y a plus de pouvoir, et côté, comment me dire, côté les autorités bizarre renforcent aussi pour nous capables de combattre ce bande fléau-là. Qui aurait pu au bande des 30 qui dit qu'il est au bodyguard et le nouveau sonat de la réunion? Sa question-là, je dis franchement, il n'a même pas mérité une réponse. Hein? Qui est ce bodyguard là? Qui ça? Monsieur Bassou, pas mon bodyguard, s'il vous plaît. Mais je peux attendre qu'il soit écrit encore, parce que je peux bien réfléchir pour agir. D'ailleurs, je invite vous à écrire encore plus, ben, insanité. Donne-moi l'occasion, là, là, dans le divan de l'instance, dans le régler ça devant une instance. Et sinon, nous, élection prochaine, est-ce qu'il y a MSM, ML, puis il y a ce candidat? Pas pressé. Attends. Et beaucoup de mieux baisser avec lui, et dire qu'il ramasse quand même très proche avec lui. Est-ce qu'il y a un candidat probable? Comment on dit bah, beaucoup de mieux baisser avec lui? Je ne vais pas vous répondre avant de rimer. Non, je ne vais pas répondre avant de rimer. Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent quand il y a cette élection? Moi, je me connais, oui. Moi, je donne une indication là quand on peut annoncer quand l'élection là pourrait avoir lieu. Vous pensez qu'il faut mieux cette année-là? Oui, mais bien sûr, mais le moment venu, on peut annoncer. Vous pensez qu'il faut mieux cette année-là? Je ne dis pas pour durer. Le moment venu, on peut annoncer. Est-ce que par exemple, vous avez le problème qui peut faire face à Rivière du Renfort, au conseil de district Rivière du Renfort, et apparemment, c'est ces épisodes de banque? Oui, oui, certainement. Et dans le cas de Alpha Mix, et je vous ai dit, franchement, c'est un véritable scandale. L'histoire de sa case-là, hein, vous pouvez dire.
Il faut bien comprendre, moi, l'histoire de sa case-là est un véritable scandale. Et mon pensée, il faut donner une information à la population. À un moment donné, il faut donner une information à la population pour que la population connaisse qui n'arrivait dans le passé pour qu'il n'arrive à ça aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire commenter le cas là-même, lui-même aujourd'hui. Et de respecter les institutions, la justice, la cour, ben, plus vivant, donc, on a fait état de l'historique de sa cas-là. Si vous avez travaillé au moins sur le champ moyen terme. Bien sûr, nous pouvons certaines quelque chose là.